Depuis moi les petits, mes dessins. En fait, il ne lisait pas beaucoup, mais il racontait un tas d'histoires avec mes dessins. Et il m'a commencé à dessiner depuis la primaire, en fait. Et c'est un de mes professeurs, elle a dit à moi, elle a un bon coup de crayon, donc continue, et m'a persévéré. Elle m'a commencé à peindre en 99. Et la Réunion, on a plein d'artistes, ils peignent de différentes manières. Et ben dans tout ça, il fallait m'y trouver à moi, à ma place. Là, c'est diversifié ce que m'y fait. Et là, ce que m'y aime, c'est travailler la couleur. Et dès que m'a fini une palette, d'ailleurs, ben m'y utilise jusqu'au bout. Faut dire la peinture est chère, donc m'utilise jusqu'au bout. Et du coup, on est venu un petit peu plus dans l'abstrait. Et en fait, m'utilise mes fonds de palette. Et là, c'est là que m'y fait de l'abstrait. M'y aime associer des couleurs un petit peu. Il lui fait étrange. Changer un petit peu le turquoise avec le rouge. Mais il trouve que c'est deux couleurs que finalement, une fois elle est sur la toile, ils s'habillent ensemble. Il aime peindre les regards parce que pour moi, le regard, c'est l'âme. Et il faut transmettre un affaire dedans. Et il trouve que le regard féminin, surtout, il peint beaucoup de nus féminins aussi. Si il devait représenter la femme Zordi, il pense que la femme, elle est toutes ses palettes. Quand il sort mon travail, m'a besoin de ce petit temps-là et m'y prend. Généralement, quand il rentre, m'y prend au moins une bonne petite heure pour moi. C'est vital. Il faut m'y peindre. Et m'y peint le matin, m'y peint la nuit, m'y peint dès que moi a le temps, m'y peint.